Chapitre La poussée d'Archimède. Objectif 1. Mise en évidence. Expérience et énoncé. 2. Caractériser la force de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire déterminer les caractéristiques de cette force. 3. Connaître les propriétés de la poussée d'Archimède, dépendance et indépendance de l'intensité, de quoi dépend et de quoi ne dépend pas l'intensité, vérifier la condition de flottaison. 5. Écrire la relation entre le poids, la tension et la poussée, et puis représentation vectorielle. 6. Mesurer la densité d'un liquide, le densimètre. Mise en évidence, expérience et énoncé. Mise en évidence. Un ballon gonflé est déposé sur l'eau, flotte. Pour maintenir le ballon sous l'eau, il faut exercer une pression. Alors, un ballon gonflé déposé sur l'eau flotte à la surface, mais pour maintenir le ballon sous l'eau, on doit exercer une pression, c'est-à-dire on doit exercer une force pressante, bien sûr vers le bas. Lâcher le ballon remonte à la surface. Si on évite la force exercée, on remarque que le ballon remonte à la surface. Il remonte à la surface. Le liquide, alors, le pousse vers le haut. La force ainsi exercée par le liquide sur le ballon est la poussée du liquide. Le ballon remonte à la surface sous l'action d'une force exercée par le liquide. Cette force exercée vers le haut est la poussée de l'eau et s'appelle la poussée d'Archimède, d'où l'existence de cette force. Énoncé. D'après cette expérience, Archimède a dit: tout corps plongé dans un fluide, c'est-à-dire un liquide ou bien un gaz, est soumis de la part de ce fluide à une force verticale, ascendante, comme dans le cas de l'observation du ballon qui remonte à la surface. Cette force est appelée force de poussée, et égale comme intensité au fluide ou égale au poids du fluide déplacé. On doit vérifier maintenant par expérience que l'intensité de cette force exercée par le liquide est égale au poids P du fluide déplacé. Vous savez que si on met un corps dans un liquide et ce corps sera immergé, le niveau de l'eau s'élève. Alors on a un liquide qui se déplace. Le poids de ce liquide déplacé est égal à la valeur de la poussée. Bien sûr, dans ce schéma, la partie immergée du ballon, bien sûr, est égale au volume du liquide déplacé.
C'est ce qu'on appelle le liquide déplacé. Cette partie du ballon prend un espace dans l'eau. Pour cela, cette partie fait déplacer le niveau de l'eau vers le haut. Alors, on a une certaine quantité d'eau ou bien de liquide qui se déplace. La quantité de l'eau, bien le volume de la quantité de l'eau déplacée, bien sûr, est égal au volume de la partie immergée. Vérification expérimentale. On observe la figure. On a un corps accroché à un dynamomètre qui mesure le poids. Il indique 3,1 newtons. Lorsqu'on plonge ce corps dans un liquide et ce corps est toujours accroché au dynamomètre, on remarque que le dynamomètre indique 2,7, comme si le poids diminue. Pourquoi? On a dit que si un corps est plongé dans un liquide, il subit de la part du liquide une force verticale ascendante. L'eau, dans ce cas, exerce une force vers le haut. Alors, cette force aide le dynamomètre à maintenir le corps. Pour cela, si le dynamomètre indique 3,1 newton, l'eau exerce une force qui s'oppose au poids, c'est le poids du corps accroché. L'eau exerce une force dans le sens opposé. L'eau porte ce liquide et aide le ressort. Pour cela, le ressort indique une valeur plus petite. La valeur indiquée par le dynamomètre lorsque le corps plonge dans l'air est appelé le poids réel, noté par PR. Lorsque le corps est plongé dans un liquide et ce liquide pousse ce corps vers le haut, le dynamomètre indique une valeur plus petite, comme si le poids diminue. Alors, il apparaît que le poids diminue. Pour cela, la nouvelle valeur indiquée par le dynamomètre est appelée le poids apparent et notée par PA. Alors, je reprends. À l'aide du dynamomètre, on mesure le poids d'un objet dans l'air appelé poids réel, noté PR. Et le dynamomètre a indiqué 3,1 newton. On immerge l'objet dans un bécher rempli d'eau. Le dynamomètre indique une nouvelle valeur qui est le poids apparent, noté par PA, et de valeur 2,7 newton. C'est très évident, mais très facile pour déduire que la valeur de la force exercée par ce liquide, qui est maintenant l'eau, qui est la poussée d'Archimède, cette force F, que la valeur de F est tout simplement 3,1 moins 2,7. L'eau aide le dynamomètre pour porter ce corps. Alors, il exerce une force verticale vers le haut pour que le poids diminue. Il paraît que le poids diminue. Le poids est toujours 3,1 newton. Mais dans le liquide, le poids diminue et sera 2,7. Quelle est la valeur de la poussée exercée par l'eau sur ce corps? Puisque le poids diminue de 3,1 à 2,7, alors, la poussée
à exercer une force qui s'oppose au poids et diminue le poids de combien de newtons? On fait tout simplement 3,1 moins 2,7. Alors c'est 0,4 newtons. La force F alors exercée, qui s'oppose au poids, fait diminuer le poids de 0,4 newtons, n'est autre que 3,1 moins 2,7. Alors c'est PR moins PA. L'eau a exercé une force de poussée vers le haut qui s'oppose au poids. Le poids diminue de 0,4. Alors la valeur de la poussée, c'est PR moins PA égale à 0,4 newton. C'est la première méthode pour calculer la valeur de la poussée si on a le poids réel et le poids apparent. Cette formule à étudier par cœur, F égale PR moins PA. Dans l'énoncé, on a dit que l'intensité de la force est égale au poids du fluide déplacé. Jusqu'à maintenant, on a trouvé la valeur de la poussée qui est 0,4 newton. Mais on doit vérifier d'abord que l'intensité de cette force qui est 0,4 newton est égal au poids de l'eau déplacée dans ce cas. Bien sûr, lorsque ce corps sera immergé, on a dit que le niveau de l'eau s'élève. Le niveau de l'eau s'élève. On suppose, par exemple, que avant l'immersion du corps, le liquide était à ce niveau. Lorsque ce corps est immergé dans ce liquide, le niveau de l'eau s'élève. Alors on a une quantité d'eau qui se déplace. Je dois marquer la quantité déplacée. On a une quantité d'eau qui se déplace et on doit vérifier que le poids de ce liquide déplacé, le poids du liquide déplacé, la partie hachurée en vert, le poids de ce liquide est égal à 0,4 newton, égal à la valeur de la poussée. Comment faire? Si on peut récupérer la quantité de l'eau déplacée dans un bêcher et on mesure ou bien on calcule le poids de cette quantité d'eau déplacée, on doit trouver que le poids du liquide déplacé, le poids de cette quantité d'eau, égale à 0,4, c'est-à-dire la poussée exercée égale au poids de ce liquide qui se déplace. Alors le but maintenant, c'est de vérifier que F égale au poids de l'eau déplacée, indiqué par la partie hachurée en vert. Comment faire? On a dit qu'il faut récupérer cette quantité d'eau dans un bêcher. On observe la figure, l'expérience. On a un verre vide taré, c'est-à-dire on sait sa masse vide. On met ce corps qui était accroché à un ressort dans un récipient à débordement. Lorsque ce corps est immergé dans l'eau, le liquide déplacé coule
dans un bécher. Alors, la quantité de l'eau déplacée acheminée en verre coule ou bien sera récupérée dans un bécher. On met l'ensemble sur la balance et on mesure la masse de l'eau déplacée, on trouve 38 grammes. Alors, ce corps immergé fait déplacer le liquide, le niveau de l'eau s'élève. La quantité qui se déplace, la quantité de l'eau déplacée sera récupérée dans un bécher. On mesure par la balance la masse de ce liquide, on trouve 38 grammes. Alors, placer l'objet dans un verre à débordement et récupérer l'eau dans un récipient taré. On a trouvé que la masse du liquide déplacé est récupérée dans le verre. Par la balance, on a trouvé que la masse de l'eau qui se déplace 38 grammes. Calculons le poids de l'eau déplacée. C'est la quantité de l'eau déplacée et récupérée dans le bécher. Le poids de l'eau déplacée, c'est la masse mesurée par la balance multipliée par G. 38 grammes dans le système international. La masse est en kilogrammes, alors c'est 0,038 fois 10 qui est G, l'intensité de la pesanteur. Alors c'est 0,38 N, qui est à peu près égal à 0,4 N. Il y a une petite différence, ou bien un écart entre la valeur de la poussée trouvée par la formule F égale PR moins PA, et la valeur du poids de l'eau déplacée calculée, l'écart est dû à des erreurs expérimentales. Alors, il y a un écart expérimental, 0,38, Newton est à peu près à 0,4 Newton, mais théoriquement, on trouve que la valeur du poids P égale à la poussée F. Et enfin, on a vérifié que la valeur de la poussée F est égale au poids de l'eau déplacée. Jusqu'à maintenant, on a vérifié que l'intensité de cette force exercée par le liquide est égale au poids du liquide déplacé. Dans le vidéo suivant, on doit vérifier que cette force est verticale et ascendante. Merci.